j'espère que ça va. Donc on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo de l'Alphabet Makeup Challenge. Donc que j'ai vu sur la chaîne de Nikki Tutorials. Je vous la remets, bien sûr, je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Donc il s'agit de se maquiller en suivant l'ordre alphabétique des produits. L'avantage c'est que elle, comme elle l'a fait en anglais et moi en français, l'ordre ne va pas être toujours pareil. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc on va pas traîner, on attaque de suite avec le A et donc l'anticerne. Voilà, donc je prends celui de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define que j'ai en teinte C2, qui est presque vide. Donc je suis assez embêtée. Par contre j'ai pas mouillé mon blender, donc je vais tout faire au pinceau. Alors, bien sûr, je mets les produits comme je les mettrais normalement. Voilà pour l'anticerne. Alors je vais prendre un pinceau, je prends celui-ci de chez Ulle Technique qui est l'Expert Face Brush. Et j'étale mon anticerne. Ça fait vraiment drôle de le mettre au pinceau. Ensuite, nous passons en P qui est donc le blush. Donc le mieux c'est d'utiliser des produits crème ou liquide. Moi j'ai pas grand chose dans ces produits-là. Donc là j'ai pris un fard à jour liquide HD de chez PB Cosmetics et la teinte je ne sais pas. Il est très vieux, j'espère d'ailleurs qu'il n'est pas foutu. Je vais en prélever d'abord sur le dos de ma main. Ah oui, il est quand même assez compact. Il m'aurait fallu le blender en fait. Je vais mouiller mon éponge et je reviens tout de suite. Voilà, avec une éponge mouillée ce sera bien. D'ailleurs je vais redonner un tout petit coup ici. Voilà, je vais garder le même côté pour pas salir tous les côtés et je prélève du blush. Ouh. En même temps, vu que je vais devoir mettre le fond de teint après, il faut que ça se voit quand même. Mais bon, là ça se voit. Il n'y a pas de souci. Je vais pas trop le blender parce qu'après je ne sais pas s'il va se voir en dessous du fond de teint. Puisqu'on va devoir mettre le fond de teint après. Voilà, je vais le laisser comme ça, on verra bien, comme ça s'il se voit bien. En dessous du fond de teint. Voilà, j'ai un petit air de clown. Hein. Après le B vient le C. Et là, nous avons donc dans l'ordre le contouring, le crayon lèvres et le crayon yeux. Logique. Oui, j'ai rajouté des produits que j'utilise pas tout le temps. Comme le crayon à lèvres et le gloss, par exemple. Pour mettre plus de produits sur la liste alphabétique. Donc le contour d'abord. Et là, le seul produit que j'ai qui n'est pas poudreux... c'est le contour, je ne sais plus comment il s'appelle parce que je l'ai à moitié mangé déjà, de chez Neve Cosmetics. C'était un contour crayon. Donc vous avez d'un côté le contouring et de l'autre l'illuminateur. Donc on va faire comme ça, un petit peu sur le front. Donc là c'est pareil, il faudra que pas que je les tombe de trop. L'ovale du visage. Voilà. Et un petit peu le tour du nez. Soyons fous. Voilà. Ça va être magnifique. Alors, je prends un autre côté de mon blender et je blende. Bon, ça va. Sur la peau, il s'estompe bien. Magnifique. On va prendre le côté clair maintenant. Je vais en mettre un petit peu ici. Un peu ici, là, là et là. C'est trop joli. Je pense pas que je le referai dans ce tour là un jour. Hein. Alors, on passe au crayon lèvres. Donc là, je prends le Make Up Forever Aqualip en teinte 2C. Voilà, maintenant j'ai les lèvres ultra sèches. Donc pour l'instant, pour les lèvres, c'est le bon sens. Ensuite le crayon aux yeux. Donc je vais mettre le noir en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais pouvoir enlever mes cochonneries sur la paupière mobile, puisque j'ai rien d'autre. Et voilà pour la lettre C. Ensuite, D et E, il n'y avait rien. Mais au F, on arrive au fixateur et le fond de teint. Donc je vais d'abord mettre le fixateur. Donc je prends le fixing spray de chez Makeup Revolution, que j'aime beaucoup au passage. Hop. Voilà, on fixe bien le teint.
Autant qu'il soit super beau. Une fois que le fixateur est pris, on peut passer au fond de teint. Et là, je prends donc le hashtag Insta Perfect de chez Essence, que moi j'ai en teinte 40. Donc je vais le mettre sur le cul de mon éponge. Je pense qu'il faudra que j'en rajoute un peu après quand même, parce que j'ai pas mis grand chose. Enfin, c'est pas le meilleur moyen de l'appliquer, ce fond de teint là. Il s'applique mieux au pinceau. Mais le problème, c'est que si je le mets au pinceau, ça va déplacer toute la matière en dessous. Alors comme c'est déjà pas top, je vais en rajouter un peu pour les joues. Oh, pas dans les lèvres. Alors ici, ça a déplacé de la matière, ça me fait un trou. Ici, ça fait des effets patchy. Hein. Ça, c'est avec le fixateur en dessous. Mais par contre, ça vient atténuer le blush. Le rendu est pas trop mal avec le blush. Voilà pour le fond de teint, donc voilà pour la lettre F. On passe donc au G avec le gloss. Donc je prends ici celui de chez NYX en teinte Pink Frost. Je ne mets jamais de gloss, hein, mais là c'était vraiment juste pour l'ajouter. Ah, par contre, ils sentent super bon. Ça sent le bonbon. Voilà. On passe au H avec l'highlighter. Vu que je n'ai toujours pas poudré, je ne vais pas mettre du poudre, donc je prends le seul liquide que j'ai, qui est le High Beam de chez Benefit. Ah, l'arc de Cupidon, on va éviter. Hein. Donc il faut quand même qu'il se voie un peu en dessous de la poudre après, que la poudre va matifier. Donc on va faire comme ça. Et je vais essayer de trouver un coin de mon éponge propre. Bon, ça glow, hein, il n'y a pas de doute. Il y a du glow, il y a du glow. Ça glow. Hein. Voilà. Ensuite, après le HIJK, il n'y a rien. C'est pas plus mal. Après, on passe directement au L avec le liner. Et dans l'ordre alphabétique, on a d'abord le liner coloré, ensuite le liner noir et le liner pailleté. Ouais. Donc en liner coloré, je vais prendre le chromatique, enfin le Melted Chrome de chez Essence, le blanc. En pailleté, je vais prendre le 02 de chez Kiko et en noir, je vais prendre celui de chez Catrice. Mais on commence par le blanc. Ça va être facile, surtout pour mettre des fards après. Comme donner un petit coup de fond de teint avec le reste là, pour unifier ma paupière. Hein. Donc je vais mettre le liner blanc ici au-dessus et je mettrai le paillette en coin interne. Voilà, je pense que c'est à peu près symétrique quand même. J'ai le liner noir, donc je vais le faire en classique. Par contre, je ne vais pas faire de virgule pour pas trop pourrir la vie. Voilà pour le liner noir. C'est juste magnifique, ma chérie. Et je prends le pailleté pour mettre en pointe. Magnifique, ma chérie. C'est trop beau. Ensuite, on passe au M avec le mascara. C'est bien quand on n'a pas fini le make-up. Ce qui va être bien, ça va être avec la poudre aussi. Après, je m'en fous plein de mascara. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vous ai pas dit, mais j'ai pris le I Need a Miracle de chez Essence, comme d'habitude. Après le M, donc en NO, nous n'avons rien. Et en P, nous avons donc, par ordre, la poudre, suivie du primer. Magnifique. Donc je vais poudrer avec ma poudre ELF, puisqu'il m'en reste, il faut que je la termine. Je prends un gros pinceau poudre, donc c'est celui de chez Elsa Makeup. Et je vais donc poudrer, surtout l'antiserne là, qui a bien commencé à bouger là. Mais je peux pas être trop au-dessus puisque j'ai le mascara. Mais ça va parce que l'highlighter il se voit encore bien bien quoi, même avec la poudre. J'ai toujours aussi highlighté. Rajouter un peu de poudre matifiante. Je
surtout le nez là et le dessus du front. Bon bah le nez, je peux rien arranger, ça brille toujours autant. On arrive, je me suis plongé le bout du nez dans une friteuse. Donc ensuite vient le temps du primer, ce qui est tout à fait normal. Donc je prends le primer Watermelon de chez Primark. Ils sont divinement bons. Oui, parce que je n'ai pas de primer en crème. Donc pour la lettre Q, nous n'avons rien. Et ensuite, nous allons passer directement au R, qui est donc le rouge à lèvres. Sur le gloss, ça va être tellement merveilleux. Donc je prends le Angel de chez MAC et voilà, c'est tout, et j'applique par dessus mon gloss. Alors ça glisse, il n'y a pas de doute. Ça glisse même très bien, ça déborde. Ouais, le rendu ça va encore hein. Après je pense pas que ça tienne très longtemps comme ça. Ensuite, nous pouvons enfin faire les sourcils. Magnifique. Donc, je prends mon duo brosse à teint de chez Maybelline. Et je vais juste donner un coup de crayon. Quand même estomper un petit peu. Voilà. Et enfin, on peut terminer avec le Y. Ça sera donc les yeux. Magnifique. Je prends ma nude. Alors je vais pas faire grand chose, je pense que je vais juste essayer de remplir entre les deux liners sans trop déborder. Il me faut un pinceau plat, donc je vais prendre celui-ci de chez Sigma qui est le 55. Et je vais prendre la petite teinte Tickle, que j'adore cette teinte, c'est ma préférée. Et j'essaye de remplir. Alors on va déjà commencer par le coin externe. Oh, sans déborder, ça serait bien. J'ai presque réussi un code cuisse sans le voir. Alors, pour mettre en dessous du ratier, hein. Avec les cils maquillés, c'est sympa. Et je vais quand même donner un petit coup de trop sous mon sourcil avec la teinte vert. Bon, ça va encore. Je vais peut-être mettre quelque chose en coin interne. Je vais prendre le highlighter blanc qui est ici. Dans mon petit kit Révolution. Et d'ailleurs, je vais revenir un peu au centre de la paupière avec aussi. Pour mettre un peu de paillettes. Il n'y en a pas assez. Voilà. C'est pas trop mal. Donc, je recommence de l'autre côté. Donc, voilà ce qui conclut ce make-up. Et écoutez... Bon, la bouche, j'aime pas du tout. Hein. Le highlighter sur le nez, on n'en parle pas. Sur les joues, ça va. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais que ce soit le bronzer blush ou l'highlighter, ça va. On voit pas trop que j'ai mis ces produits-là avant le fond de teint. Par contre, l'anti-cerne, ça va pas du tout m'agirer. Hein. Et le make-up dessus, je trouve que le make-up dessus, ça va encore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que ça va encore. C'est pas trop... C'est le genre de make-up que j'aurais pu faire si je l'avais fait dans le bon sens. En moins sophistiqué, d'accord, mais... D'ailleurs, c'est un beau make-up, hein, mine de rien. Si vous voulez juste mettre un fard et puis un thread liner coloré. Après, je suis pas douée pour le thread liner. Je le fais toujours trop épais, mais j'arrive pas à stabiliser vu que je vois pas bien. Mais voilà, après j'aime beaucoup le rendu hein. Et quand on a les yeux droits, ça se voit pas trop. Je sais pas si vous voyez, faut vraiment lever la tête comme ça ou vraiment bien montrer. Mais enfin bref, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à voir la vidéo de Niggy Tutorials parce que forcément elle est beaucoup plus douée que moi et son rendu est juste magnifique. On a l'impression qu'elle a fait son make-up normalement. Et voilà, si vous le refaites, n'hésitez pas à me le dire et j'irai voir votre vidéo avec plaisir. Donc, on se retrouve... Ah oui, on se retrouve... je vous ferai les vidéos avec les swatchs et les make-up des palettes Révolution, les nouvelles Forever Flawless. Donc, je vous ferai les 4, on se retrouvera donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec à chaque fois swatch d'une palette et le make-up. Et voilà, ça pour chaque palette. Donc j'espère que ça vous plaira cette petite série, ce petit week-end swatch make-up.
Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des notifications des prochaines vidéos et de laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des pouces bleus et des nouveaux abonnés. D'ailleurs, merci à ceux qui nous ont rejoints récemment. J'espère que vous vous amusez bien. Et voilà, n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur Instagram. Donc vous avez le lien en barre d'infos, enfin vous avez le lien un peu partout sur ma chaîne, mais vous avez principalement en barre d'infos, voilà. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur Instagram, puisque je partage énormément de choses, et que c'est là que se passeront les concours, et je vous rappelle que le prochain aura lieu aux 1000 abonnés, enfin aux 1000 followers Instagram, et aux 2000 abonnés sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.